My first book pretty much describes what I thought it was in 1998, which was a power plant. I think there's connections possibly to gravity manipulation. I think anti-gravity had to have a play a part in moving some of this stuff. I'm convinced it was a form of advanced technology. In the king's chamber, here's what's interesting. There's a box in there that they try to say it's a sarcophagus. It's not a sarcophagus. The box is the exact dimensions, though, of the Ark of the Covenant. I think we're getting very close to rediscovering some of the things that our ancient ancestors were up to. It's all mythology, it's all fake, but in reality, it's not all fake. These people left behind such detailed records and information. Les mystères de l'Égypte ancienne ont captivé l'esprit des historiens, des archéologues et des passionnés depuis des siècles. Du sphinx énigmatique aux pyramides imposantes, les merveilles de l'Égypte offrent un aperçu d'une civilisation en avance sur son temps. Parmi les questions les plus fascinantes entourant cette culture ancienne se trouve la véritable fonction des pyramides. Traditionnellement considérées comme des tombes pour les pharaons, ces structures monumentales ont suscité d'innombrables théories sur leurs fonctions réelles. Ces dernières années, une découverte révolutionnaire a ravivé ces débats. Des scientifiques ont mis en évidence des indices suggérant que les pyramides auraient pu servir de centrales électriques anciennes, exploitant l'énergie d'une manière que la science moderne commence à peine à comprendre. Cette révélation a ébranlé la communauté académique et au-delà, poussant à réexaminer tout ce que l'on pensait savoir sur l'Égypte ancienne. Chapitre 1. La vision traditionnelle des pyramides. Pendant des siècles, les pyramides d'Égypte, en particulier la Grande Pyramide de Gizeh, ont été considérées comme des tombes monumentales construites pour les pharaons. Selon l'archéologie conventionnelle, ces structures ont été érigées avec d'énormes blocs de calcaire et de granit, transportées et assemblées avec une précision incroyable par une main-d'œuvre de milliers de personnes. La Grande Pyramide, attribuée au pharaon Khéops, est la plus emblématique de ces structures et a fait l'objet de nombreuses études et spéculations. La vision traditionnelle soutient que les pyramides ont été principalement construites comme des lieux de sépulture, destinés à abriter les restes momifiés des pharaons et leurs trésors pour l'au-delà. Les chambres et les passages complexes à l'intérieur des pyramides étaient censés guider l'esprit du pharaon décédé vers l'au-delà, tout en protégeant la chambre funéraire des pilleurs. Au fil des ans, de nombreuses tombes ont été découvertes à l'intérieur des pyramides égyptiennes, donnant du crédit à cette théorie. Cependant, il y a toujours eu des questions et des anomalies qui ne correspondent pas tout à fait aux récits traditionnels. La précision avec laquelle les pyramides ont été construites, leur alignement avec les corps célestes et l'ampleur même de l'entreprise ont conduit certains à spéculer qu'il pourrait y avoir plus dans ces structures que ce que l'on pense. Chapitre 2. Les théories alternatives. Au fil des années, de nombreuses théories alternatives ont été proposées pour expliquer la fonction des pyramides. Certains chercheurs ont suggéré que les pyramides n'étaient pas des tombes du tout, mais servaient à d'autres fonctions plus ésotériques. Ces théories varient, des pyramides étant considérées comme des observatoires ou des calendriers anciens, à des installations de stockage de grains, comme suggéré par certaines interprétations bibliques anciennes. L'une des théories les plus intrigantes est que les pyramides ont été construites en tant que centrales électriques, capables de générer et d'exploiter de l'énergie. Cette idée, popularisée par des chercheurs marginaux, propose que les pyramides étaient conçues pour canaliser et amplifier les énergies naturelles de la Terre, les utilisant potentiellement à des fins technologiques. Les partisans de cette théorie mettent en avant plusieurs caractéristiques des pyramides qui semblent soutenir cette idée. Par exemple, la Grande Pyramide contient un certain nombre de chambres et de passages internes qui ne semblent pas avoir de fonction liée à l'enterrement. De plus, l'utilisation de matériaux comme le granit, qui contient des cristaux de quartz, a conduit certains à spéculer que les pyramides étaient conçues pour exploiter l'énergie piézoélectrique, un type de charge électrique générée par certains cristaux sous contrainte mécanique. Chapitre 3.
la découverte des preuves de la centrale électrique. L'idée que les pyramides auraient pu servir de centrale électrique était longtemps considérée comme marginale, mais des découvertes récentes l'ont remise au premier plan. Au début des années 2020, une équipe de scientifiques du monde entier a mené une série d'enquêtes et d'analyses de haute technologie sur les pyramides, en utilisant des technologies avancées comme le radar à pénétration de sol, l'imagerie thermique et la tomographie par muons. Une technique utilisant des rayons cosmiques pour créer des images détaillées de la structure interne de grands objets. Ce qu'ils ont découvert était stupéfiant. Les scans ont révélé un réseau inconnu de chambres et de tunnels sous la Grande Pyramide, ainsi que des anomalies étranges dans le champ électromagnétique de la pyramide. Ces découvertes, couplées à une réévaluation des matériaux et de la construction de la pyramide, ont conduit les scientifiques à proposer que la Grande Pyramide, et peut-être d'autres, pourrait effectivement avoir été conçue pour générer et exploiter de l'énergie. Les recherches de l'équipe ont suggéré que la conception de la pyramide pourrait avoir permis de capturer et d'amplifier des sources d'énergie naturelle telles que les champs électromagnétiques générés par la Terre ou l'énergie cosmique provenant du Soleil et des étoiles. La structure interne de la pyramide, avec ses chambres et passages soigneusement alignés, aurait pu canaliser cette énergie vers un point central où elle aurait pu être stockée ou utilisée d'une manière ou d'une autre. Chapitre 4. Le rôle des matériaux de la pyramide. L'un des éléments clés soutenant la théorie de la centrale électrique est le matériau utilisé pour la construction des pyramides. La Grande Pyramide, en particulier, est composée de plusieurs types de pierres, chacune ayant des propriétés uniques qui pourraient contribuer à sa capacité à générer ou à exploiter de l'énergie. L'extérieur de la Grande Pyramide était à l'origine recouvert de calcaire de Tura hautement poli, ce qui aurait donné à la pyramide un aspect brillant et réfléchissant. Certains chercheurs pensent que ce calcaire pourrait avoir agi comme un isolant, aidant à contenir et diriger l'énergie à l'intérieur de la pyramide. Le noyau de la pyramide est fait d'un calcaire plus poreux, qui est censé contenir des traces d'eau. Cela a conduit à la spéculation que la pyramide aurait pu être conçue pour interagir avec des sources d'eau souterraines, générant potentiellement de l'énergie grâce au mouvement de l'eau ou à l'interaction entre l'eau et le champ électromagnétique naturel de la Terre. Le matériau le plus intrigant utilisé dans la construction de la pyramide est le granit trouvé dans la chambre du roi et d'autres zones clés. Le granit contient de grandes quantités de quartz, un minéral connu pour ses propriétés piézoélectriques. Soumis à une pression, les cristaux de quartz génèrent une charge électrique, et certains chercheurs pensent que la conception de la pyramide aurait pu utiliser cet effet pour produire de l'électricité. Chapitre 5. L'alignement des pyramides et les connexions célestes. Un autre élément du puzzle réside dans l'alignement précis des pyramides avec certains corps célestes. La Grande Pyramide, par exemple, est alignée presque parfaitement avec les points cardinaux, nord, sud, est et ouest. Cet alignement est si précis que certains ont suggéré qu'il n'aurait pas pu être réalisé sans une connaissance avancée de l'astronomie et de la rotation de la Terre. En plus de son alignement cardinal, la Grande Pyramide est également alignée avec des étoiles et des constellations spécifiques. Les trois pyramides de Gizeh sont pensées pour représenter les trois étoiles de la ceinture d'Orion, une constellation associée au dieu Osiris dans la mythologie égyptienne ancienne. Le passage descendant de la Grande Pyramide est aligné avec l'étoile Tuban, qui était l'étoile polaire à l'époque de la construction de la pyramide. Certains chercheurs pensent que ces alignements n'étaient pas simplement symboliques, mais servaient un but pratique dans la fonction de la pyramide en tant que centrale électrique. Ils théorisent que la pyramide pourrait avoir été conçue pour capter et canaliser l'énergie cosmique de ses corps célestes en l'utilisant comme source d'énergie. Chapitre 6. Les conduits d'énergie et la distribution d'énergie. La structure interne de la Grande Pyramide constitue un autre élément clé en faveur de la théorie de la centrale électrique. La pyramide contient un réseau complexe de chambres, de passages et de puits, dont certains ne semblent avoir aucune utilité pratique,
si la pyramide n'était qu'une tombe. La grande galerie, un passage raide qui mène à la chambre du roi, est l'une des caractéristiques les plus énigmatiques de la pyramide. Certains chercheurs ont suggéré que cette galerie aurait pu servir de conduit d'énergie, canalisant l'énergie des chambres inférieures vers la chambre du roi, où elle pourrait être concentrée et exploitée. La chambre du roi elle-même est un autre point d'intérêt. Cette chambre, entièrement construite en granit, abrite le soi-disant sarcophage, un grand coffre de pierre longtemps supposé être un conteneur funéraire. Cependant, l'absence de momies ou d'artefacts funéraires dans la chambre a conduit certains à spéculer que le sarcophage aurait pu servir à un autre objectif, peut-être en tant que résonateur ou condensateur dans le système énergétique de la pyramide. La chambre de la reine, située sous la chambre du roi, est une autre partie mystérieuse de la pyramide. Cette chambre contient deux puits étroits qui s'étendent vers l'extérieur de la pyramide, mais contrairement aux puits de la chambre du roi, ceux-ci n'atteignent pas l'extérieur de la pyramide. Le but de ces puits est inconnu, mais certains chercheurs ont suggéré qu'ils pourraient avoir fait partie d'un système de distribution d'énergie, canalisant l'énergie de la chambre de la reine vers d'autres parties de la pyramide ou même vers les environs. Chapitre 7. La connexion avec l'eau. L'un des aspects les plus intrigants de la théorie de la centrale électrique est l'idée que les pyramides auraient pu être conçues pour interagir avec l'eau. La Grande Pyramide est située sur le plateau de Gizeh, une zone connue pour ses canaux souterrains d'eau. Certains chercheurs pensent que l'emplacement de la pyramide a été choisi spécifiquement pour tirer parti de ses sources d'eau. Selon cette théorie, la pyramide aurait pu être conçue pour utiliser le mouvement de l'eau pour générer de l'énergie. Cela aurait pu être réalisé par un processus similaire à celui de l'énergie hydroélectrique moderne, avec l'eau circulant dans les chambres et passages internes de la pyramide, créant une pression et générant une charge électrique par l'effet piézoélectrique des cristaux de quartz présents dans le granit. Il existe également des indices suggérant que la pyramide aurait pu être connectée au Nil via une série de canaux et de tunnels. Si cela est vrai, la pyramide aurait pu exploiter l'énergie du flux de la rivière, renforçant ainsi ses capacités de production d'énergie. Chapitre 8. Les implications de la théorie de la centrale électrique. L'idée que les pyramides étaient des centrales électriques anciennes a des implications profondes pour notre compréhension de la civilisation égyptienne antique. Si cela est vrai, cela suggérerait que les Égyptiens possédaient un niveau de connaissance technologique bien au-delà de ce qui est actuellement reconnu par l'archéologie traditionnelle. Cette théorie soulève également des questions sur l'objectif d'autres structures anciennes à travers le monde. Nombre de ces structures, telles que les temples mégalithiques de Malte, les cercles de pierre de Grande-Bretagne et les pyramides de Mésoamérique, partagent certaines caractéristiques avec les pyramides égyptiennes, notamment des alignements précis avec des corps célestes et l'utilisation de matériaux spécifiques. Est-il possible que ces structures aient elles aussi été conçues pour exploiter et utiliser l'énergie d'une manière ou d'une autre? La théorie de la centrale électrique remet également en question le récit traditionnel de l'histoire humaine. Si les anciens Égyptiens étaient capables de générer et d'exploiter de l'énergie, quelles autres technologies auraient-ils pu posséder? Et comment ont-ils acquis ces connaissances? Certains chercheurs ont spéculé que les Égyptiens auraient pu hériter de ces connaissances d'une civilisation encore plus ancienne, antérieure à l'histoire reconnue de la civilisation humaine. Chapitre 9. Le débat scientifique. L'idée des pyramides comme centrales électriques est très controversée et a été accueillie avec scepticisme par de nombreux membres de la communauté scientifique. Les critiques soutiennent qu'il y a peu de preuves concrètes pour étayer cette théorie et qu'elle repose trop sur la spéculation et l'interprétation de données ambiguës. Les archéologues traditionnels maintiennent que les pyramides étaient principalement des sites funéraires et que toute autre fonction qu'elles auraient pu avoir était secondaire. Ils soulignent qu'il n'existe aucune preuve directe que les anciens Égyptiens utilisaient ou généraient de l'électricité
et que la théorie de la centrale électrique repose sur des concepts technologiques modernes qui ne sont peut-être pas applicables aux structures anciennes. Cependant, les partisans de la théorie de la centrale électrique soutiennent que l'absence de preuves n'est pas nécessairement une preuve que la théorie est erronée. Ils soulignent que de nombreux aspects de l'histoire et de la technologie égyptiennes anciennes restent mystérieux, et qu'il est possible que les preuves n'aient tout simplement pas encore été découvertes, ou aient été mal interprétées. Le débat autour de la théorie de la centrale électrique continuera probablement pendant des années, au fur et à mesure que de nouvelles découvertes seront faites et que les preuves existantes seront réévaluées. Que la théorie soit finalement prouvée ou non, elle a déjà réussi à remettre en question nos hypothèses sur l'Égypte ancienne et à ouvrir de nouvelles pistes de recherche. Chapitre 10. L'avenir de la recherche sur les pyramides. La découverte des capacités potentielles de génération d'énergie au sein des pyramides a suscité un regain d'intérêt pour ces structures anciennes. Dans les années à venir, nous pouvons nous attendre à voir davantage de recherches axées sur la découverte du véritable but des pyramides et l'exploration de la possibilité qu'elles aient été utilisées comme centrales électriques. Les avancées technologiques, telles que l'amélioration des techniques de numérisation et des outils d'analyse, joueront probablement un rôle clé dans cette recherche. À mesure que notre capacité à étudier les pyramides en détail augmente, nous pourrions découvrir de nouvelles preuves qui éclairent leur véritable fonction. En plus de la recherche scientifique, la théorie de la centrale électrique a également captivé l'imagination du public. L'idée que les pyramides étaient des centrales électriques anciennes résonne auprès de ceux qui s'intéressent à l'histoire alternative et à la possibilité de technologies perdues. Cela a conduit à un intérêt croissant pour l'égyptologie et à un nouvel accent mis sur les mystères des pyramides. Chapitre 11. La connexion avec d'autres sites anciens. Si les pyramides étaient réellement des centrales électriques, cela soulève des questions intrigantes sur d'autres sites anciens à travers le monde. De nombreuses structures anciennes partagent certaines similitudes avec les pyramides, telles que l'utilisation de blocs de pierre massifs, des alignements précis avec les corps célestes et l'incorporation de matériaux aux propriétés uniques. Par exemple, les cercles de pierre de Stonehenge en Angleterre sont alignés avec les solstices et construits à partir de pierres que l'on croit avoir été transportées sur de grandes distances. De même, les temples mégalithiques de Malte sont alignés avec les équinoxes et faits de calcaire, un matériau également utilisé dans la construction des pyramides. Ces similitudes ont conduit certains chercheurs à spéculer que ces sites, comme les pyramides, auraient pu être conçus pour capter et utiliser l'énergie d'une manière ou d'une autre. Si tel est le cas, cela suggère que les civilisations anciennes partageaient une connaissance commune de la génération et de l'utilisation de l'énergie, peut-être héritée d'une civilisation encore plus ancienne. La possibilité d'un réseau mondial de centrales électriques anciennes est une idée fascinante qui pourrait révolutionner notre compréhension de l'histoire humaine. Elle suggère que le monde ancien était bien plus interconnecté qu'on ne le pensait auparavant, et que la connaissance et la technologie pourraient avoir été partagées à travers de vastes distances et cultures. Chapitre 12. Le rôle des connaissances anciennes. La théorie de la centrale électrique soulève également des questions sur la source des connaissances des anciens Égyptiens. Si les pyramides étaient effectivement utilisées pour générer et capter de l'énergie, comment les Égyptiens ont-ils acquis ces connaissances? Ont-elles été développées indépendamment ou héritées d'une civilisation antérieure? Certains chercheurs croient que les Égyptiens pourraient avoir hérité de ces connaissances d'une civilisation perdue, peut-être une civilisation ayant existé avant la dernière ère glaciaire. Cette idée est soutenue par le fait que de nombreuses structures anciennes, y compris les pyramides, semblent avoir été construites en utilisant des techniques et des technologies qui auraient dépassé les capacités des civilisations traditionnellement créditées de leur construction. La possibilité d'une civilisation perdue soulève encore plus de questions sur les origines de la civilisation humaine et la véritable histoire de notre espèce.
Si une telle civilisation a existé, elle pourrait fournir des réponses à de nombreux mystères qui ont intrigué les historiens et les archéologues pendant des siècles. Chapitre 13. L'héritage des pyramides. Que la théorie de la centrale électrique soit finalement prouvée ou non, les pyramides continueront d'être l'un des symboles les plus durables de l'ingéniosité humaine. Ces structures ont résisté à l'épreuve du temps, survivant pendant des milliers d'années et continuant à inspirer l'admiration et l'émerveillement de ceux qui les contemplent. Les pyramides sont un témoignage de l'ingéniosité et de la créativité des anciens Égyptiens, qui ont été capables de construire certains des monuments les plus impressionnants de l'histoire humaine. Elles sont également un rappel des mystères qui entourent encore notre passé et du potentiel de nouvelles découvertes qui pourraient transformer notre compréhension de l'histoire. Alors que nous continuons d'explorer les pyramides et de découvrir leurs secrets, nous sommes rappelés à l'importance de garder l'esprit ouvert et de remettre en question nos hypothèses. La théorie de la centrale électrique n'est qu'un exemple de la manière dont de nouvelles idées peuvent remettre en cause notre compréhension du passé et conduire à de nouvelles découvertes. Chapitre 14. Conclusion. La découverte des capacités potentielles de génération d'énergie au sein des pyramides a ouvert un nouveau chapitre dans notre compréhension de l'Égypte ancienne. Bien que la théorie de la centrale électrique reste controversée, elle a suscité un regain d'intérêt pour ces structures anciennes et a remis en question nos hypothèses sur les capacités des anciens Égyptiens. À mesure que la recherche se poursuit, nous pourrions découvrir de nouvelles preuves qui soutiennent ou réfutent la théorie de la centrale électrique. Cependant, quel que soit le résultat, le débat a déjà réussi à élargir notre compréhension des pyramides et à souligner l'importance de remettre en question nos hypothèses. Les pyramides d'Égypte continueront d'être une source de fascination et de mystère pour les générations à venir. Elles nous rappellent les incroyables réalisations de nos ancêtres et le potentiel de nouvelles découvertes qui pourraient transformer notre compréhension de l'histoire. Alors que nous continuons d'explorer les pyramides et d'autres sites anciens à travers le monde, nous sommes rappelés à l'importance de la curiosité, de l'exploration et de la quête de la connaissance. La théorie de la centrale électrique est un exemple de la manière dont de nouvelles idées peuvent remettre en cause notre compréhension du passé et conduire à de nouvelles découvertes qui redéfinissent notre histoire.